Et les gens, bienvenue sur frappstéjeux.fr ou sur mon blog itisan3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu du coup. Tintintin. Disney Dreamlight Valley. Mais encore. Mais en même temps, j'avais dit que j'y jouerais un peu tous les jours. Attends, parce que du coup, moi, ce que je voudrais voir là. Mission. Collection. Personnage. Il nous faut aller voir Rémi. Qu'est-ce qu'il veut? Des épinards, des gaufres et des pâtes au poisson. Oh, j'ai des coffres. Est-ce que je peux choper un épinard quelque part? Bien pour quelqu'un qui essaie de bosser un dimanche matin. Mais pourquoi faire? Non, mais je pense que c'est ça en fait, les hauts faits là. Ces trucs là. J'imagine que c'est ça hein, pour le Dreamlight. Je vais gagner des pièces étoiles 800K. J'imagine que c'est ces éléments-là, hein, les hauts faits. Je sais pas, ça pourrait être d'autres. Et du coup, c'est progressif. Donc, quand ils mettent un truc à 5K, là, 800K, il s'est passé les étapes avant. Tu vois, c'est le troisième niveau. Et après, il y aura un autre niveau, etc. Tu vas me dire qu'on est dans la seule zone où j'ai pas d'épinards. Attends, on va retourner en collection. Ce qui me semble qu'il y avait un autre truc qu'il voulait, c'était les pâtes au poisson. Soupe de légumes. Pâte végétarienne. Donc, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Sauf que je fais ça. Et à la place, je mets un poisson. Genre... Ok, ça n'a pas fait du tout ce à quoi je m'attendais. Des épinards. Où est-ce qu'ils poussent ces épinards? Du pen client pour les astreintes sur mon PC perso. Y a pas un truc qui bloque sur le PC voilà. Attends, mes épinards, ça pousse. J'ai eu de la confiance. Ok. Attends, ça met combien de temps à pousser les épinards? Juste pour savoir si je me suicide maintenant ou après. Une heure. Mais non! Moi, j'ai pas envie de jouer si longtemps. À moins qu'il en vende, ça se trouve, il va en vendre. Chut. D'accord? Une heure, ça va. Ouais, mais en fait, j'aimerais bien essayer de faire des Legos aujourd'hui, tu vois, et pas justement de m'enfermer dans le truc. Attends, est-ce que ça, c'est pas ce que je pense? Oh, on est sauvé. Yes. C'est bon. Et coucou, sorcière, comment vas-tu? Et ça va bien de mon côté. Je te remercie. Je suis sauvé. J'ai pu acheter un épinard. Mais, attends Rémi, là. J'arrive pas à digérer. C'est embête, hein. Je mange des gâteaux, je sais, mais... J'ai mangé les pâtes n'importe comment et je pense que ça va pas remonter. Enfin, ça va pas descendre, je veux dire. C'est l'information dont vous n'avez pas besoin. Vous n'aviez pas besoin. Tiens, je t'offre une branche d'épinard parce que je sais que t'aimes ça et que je suis un mec sympa. Et c'est pas du tout parce que je veux gagner des points. Waouh, merci beaucoup, bonjour.
Tiens, attends, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu sais quoi? Regarde, des gaufres. Tu sais les gaufres qu'on a fait ensemble? Tiens, je te l'offre. Waouh, wow, merci, bonjour. Merci. Et je gagne même des points là-dessus. Allez, paf. Donc, normalement... Non. Mais je croyais qu'il me... Bonjour. On forme une bonne équipe. On disait pat. Pat, on n'a pas trouvé comment ça marchait. Parce que des pâtes végétariennes, c'est blé, tac, et légumes. Donc faut que je trouve comment on fait des pâtes. Des pastas, si. Peut-être pâtes et beurre. Et coucou, messieurs Scarab, comment ça va, monsieur? Désolé, je me cache parce que j'ai envie de manger les gâteaux. Je n'utiliserai jamais le sexy de changement d'heure. Ça va bien. Le coup de mire magique aussi, comment ça va aussi? Attends, celui à Ressacan aussi. Là, j'y joue sur la version Steam. Sorcière, il n'y a pas encore de musique intégrée. Oh, musique de multi, pardon, intégrée dans le jeu. Il faudra encore attendre un petit peu plus longtemps. Quand je pense que j'avais planté tout ça pour faire les plats que voulait Rémi, justement, pour terminer sa quête. Et là, il me faut de l'ail, ça va me prendre des années de récupérer l'ail. Mais oui, mais du coup, en fait, il y a un risque, le jeu est en bêta. Et certaines personnes, à force de faire du time travel, ont réussi à softlock le jeu et à le faire bugger, à première vue. Donc, le time travel est dangereux dans ce jeu-là. Ne faites pas le time travel si vous voulez garder vos sauvegardes. Ce serait con quand même, hein. Bah là, franchement, c'est moi là qui agresse le truc, parce que sinon, finalement, t'as toujours des choses à faire et tu t'avances sur à peu près tout. Là, c'est juste qu'en fait, j'aimerais bien, voilà, il reste 23 jours, on est large pour le faire le truc. Je peux avancer tout le reste si j'en ai envie. Mais du coup, j'aimerais bien pouvoir offrir un dernier cadeau à Rémi et vendre de l'ail. Le problème, c'est que l'ail pousse petit à petit. Je peux pas l'acheter. Donc là, je n'en récupérerai qu'un. Et donc, ils m'ont mis un objectif qui va être super long. Mais normalement, cet objectif, c'est censé le faire en 30 jours, un peu plus même, je crois. Et il reste donc 23 jours pour le faire. Donc ça veut dire qu'en 7 jours, j'ai fait les objectifs qu'on est censé faire en 30, tu vois. Donc, bon, c'est un peu moi qui abuse. Et après, je suis juste limité par le farm, en fait. Et là, il faut attendre que ça repousse. Il n'y avait pas grand-chose à ramasser, là, encore. Quand je pense qu'il y a des personnes qui en ont ramassé 8 d'un coup. Une honte. Et après, je suis un peu stupide aussi, parce que j'ai pas monté les personnages qui permettent de multiplier le nombre de trucs qu'on récupère. Vraiment, tu peux choisir d'avoir un perso qui t'aide, et quand tu ramasses un truc, ça t'en donne 2, ou 3, ou 4. Souvent 2. C'est rarement plus. Là, tu vois, je me dis, putain, j'allais pouvoir terminer Rémi. Mais non. Non. Attends, on va aller voir chez Picsou. Donc, qu'est-ce que... C'est à quoi? C'est à gauche. Vous êtes quoi, vous, monsieur? Oh. Vas-y, je prends ça, c'est joli, une pile de bouquins. Merlin l'enchanteur, allez, je prends. Ça, c'est un gobelet de Wally, ça, c'est une poubelle de chez Wally, ça, c'est une... truc de chez... Oh, c'est plutôt joli, ça. Attends. C'est pas un truc de Cendrillon, ça? C'est un truc de Cendrillon, ça. Vas-y, je prends. Ah non, La Belle et la Bête? Mais attends, mais depuis quand il y a les tableaux de La Belle et la Bête qui ressemblent à Cendrillon? Attends, tu veux me dire que Belle et Bête ont, chez eux, un tableau de Cendrillon? On est d'accord que c'est Cendrillon, ça, c'est pas La Belle et la Bête. Ça ressemble pas du tout. Hmm.
Mais faut quand même que tu joues à Got You Back, parce que moi, ça fait 45 heures que je suis dessus, voire plus maintenant. Au revoir, à bientôt. Bonne journée à toi. Salutations, voisin. Vas-y, j'ai plus de sous, je m'en fous. Ça vient d'où, ça? La Belle et la Bête, costume de soirée. Costume formel blanc doré. 16 000 pièces. Putain, mais ça coûte cher. Ça, c'est un lit quoi, ça? Le Roi Lion. Ça, c'est une table à Reine des Neiges. Je te remercie. Ça, c'est un grand sofa. Oui, joli ce truc, c'est quoi? La Belle et la Bête. Un canapé capitonné. On voit bon. C'est Cozy Groove, du coup, le jeu dont tu parles? Bonjour. Je te remercie. Mais non, il suffit de trouver une solution. Il faut juste que j'arrive à trouver comment on fait des pâtes végétariennes. Là, il m'a destiné. Les pâtes de base. On va tenter de faire de la cuisine. Pour ça... Attends, bon, déjà, étape précédente. On va aller voir ce qu'il veut manger, lui, là-bas. Et dire que je pourrais aller chercher Ariel et tout. Qu'est-ce que tu veux? Poisson grillé. Oh, ça va se faire en quelques secondes, ça. Alors, la recette, poisson grillé, poisson grillé. Poisson grillé. Oh, oh, bonjour. Alors, les choses ont toujours l'air un peu plus magiques quand tu l'as, petit. J'ai ta commande, Merlin, tiens. Voilà, t'es content, là? Des pâtes IRL, bah normalement, si tu mets de l'eau, tu mets des... Tu fais chauffer l'eau, peut-être pas tes belles pâtes. Peut-être tu attends la même temps que là, sur le paquet, parce que ça dépend des versions des pâtes. Et puis du coup, après, tu enlèves l'eau, et tu gardes que les pâtes, et tu les mets dans une assiette. Et du coup, normalement, après ça, t'as des pâtes. Tu peux mettre des choses dedans, genre du beurre... La sauce, tout ça. Ben là, il n'y a pas de pâtes. Donc, normalement, il faut du blé et tout. Après que tu parles de la recette des pâtes, où on fait vraiment la pâte des pâtes. Tu vois? Et là, ça, je ne sais pas faire, parce que les saucisses de pâtes, tu veux que je les fasse comment, moi, les coquillettes? Au pire, on pourrait faire des spaghettis, mais les coquillettes, ça ne marchera pas. Je te tire mon chapeau, même si je préférerais ne pas le retirer. Bonjour. Une carte magique. Oh, oui, oui, oui. Laisse-moi regarder. En effet, j'ai vu des inscriptions comme ça avant. La bonne formule magique devrait révéler ce qui est écrit. Isitus, Sophisitus, Sotisitus, Sozoé. Tu vois l'inscription dit « Seul celui qui manie les mers des ténèbres trouvera ce qui est caché dans l'île ici et là. Trouve les clés et reconstitue-les pour que le trésor soit à toi. »
Exactement. On dirait que tu dois trouver les deux parties d'une clé et la réparer. Les vers les ténèbres ? Oui, Picsou gardait quelque chose comme ça dans son coffre quand l'oubli est arrivé. Tu devrais aller lui parler. Notre ligne ? Pas de panique, Kitty. La magie est pleine de mystères et d'énigmes à résoudre. Reprends la carte et concentre-toi sur sa magie. La vérité se révélera à toi. Comme je te l'ai dit, va interroger Picsou sur les vers des ténèbres. Peut-être qu'il se souvient de quelque chose. Il répare la clé, tu vas en avoir besoin. Merci. Je sais pas ce que c'est que cette voix que je lui fais, elle est dégueulasse. J'ai entendu un piou tiou tiou, mais je sais pas ce qui s'est passé. Non, y'a rien. Vas-y. Il y a du beurre là. On va tenter ça. Je viens de gâcher des crackers, quoi. On a déjà fait des pâtes. Pâtes. Il faut 4 ingrédients en tout. Un truc qui vaut un machin. Quelles sont les tomates? J'ai plus de tomates? Les pommes? Non. Tomates. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Un poisson? Du thon, ouais. Et qu'est-ce qui pourrait bien aller avec ça? Genre... de poisson. Ça serait bien si j'arrivais à trouver la recette de base des pâtes. C'est après, rien ne m'empêche de faire ça demain, en fait. Là, j'ai peur de passer ma vie à essayer de faire des pâtes et de jamais y arriver. Non, mais je savais que je voulais trouver Vaiana. Elle est ici, Vaiana. Vaiana, viens, faut qu'on aille pêcher, t'es où? Elle est là. Elle est quelque... Bah, elle est juste sous mes yeux. Bah tiens, il y a un truc doré en plus. Bah, est-ce que tu veux bien m'accompagner? Parce qu'en fait, tous les deux, j'aimerais bien qu'on aille pêcher un peu. On va pêcher sous une étoile, sous un oreiller. C'est un peu bizarre comme ça, non? Sous un oreiller, on pêche pas grand chose en général. Donne-moi du rame. Merci. Non, mais suis-je bête si je fais ça? J'avais plus de place. Comment ça va?
Ça je vends. Ah, ça fait de la place tout ça là, c'est bien. Moi qui ai plus de sous, je suis à combien maintenant là? 7000. Pas mieux faire. Du coup, je suis pas sûr qu'il y ait de la farine, hein. Pas des pâtes. Je crois pas qu'il y ait de farine dans le jeu. Peut-être que je peux faire blé et œuf, par contre. On n'a pas tenté ça, blé et œuf. Blé et œuf, ça pourrait être intéressant. Ou je teste. Clic. Yes, niveau supplémentaire, vas-y, je gagne quoi? Niveau 35, je gagne un haut un peu bizarre. Avec une veste épineuse blanche. Itty est une personne épineuse désormais. Attends, c'est pas prêt. Mais ne t'extasie pas, il me faut des points, madame. Je pourrais quand même faire l'effort d'aller chercher Ariel. Hein. Je peux avoir une voyelle à rechange, s'il vous plaît, la mienne a l'air d'être buggée. Et moi, comme juste de la regarder, ça me fait super mal à la tête, regardez, je vibre. Je crois que la matrice bug. Chut. La meilleure recette pour faire de l'argent, je crois qu'on appelle ça l'héritage. 5, rapide, etc. Ah bon. Coucou vide. Bon, ça va. Super que vous avez été repéré dans le chat, attention. Oh oui, donnez-moi plus de ressources. Oh là là, les poissons. Mince, mais je me suis raté comme une grosse kiss. Allez, là, tu peux le faire. Je crois en toi. Être humain nouveau, les babioles, les bijoux ont un corps. Le snipe. Poli. Tu t'es fait sniper? Comment c'est possible de sniper les gens comme ça? Da-da-da.
Non, on va manger un bonbon. Ça marche sur le PC perso, comment ça hein? Alors, j'ai raté un épisode de Unique Malpoli. Tu parles de quoi hein? Ah, si, ton truc, l'installation du PM. Mais j'ai l'impression du coup qu'il manque un. Ah, mais non, mais. Mais j'ai plus d'énergie. Là, elle va être connectée au serveur. J'ai pas compris le rapport entre l'installation du VPN et le reste, je crois. J'ai dû rater une étape. Et donc, un peu tôt, le Misty Boo, pour se lever, en week-end. Ah, mais il y a le ménage, je crois, le week-end. Non ? Pas un truc comme ça, là. J'arrive pas à retrouver le nom. Ah, d'accord. Si on va aller chasser là-haut. Au début, je crois que c'était les tonneaux radioactifs qu'il y avait là-haut. Ah, ça gratouille. Ça, je pense qu'il faudra un arrosoir magique. C'est quoi ça? Récolter du gingembre. Quelle idée. Là, ça, là, je crois que c'était un tonneau radioactif. Ils ont mis la radioactivité dans Disney. Cette histoire de la radioactivité dans Disney. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent de beau? Il y a cet endroit ténébreux, aux limites de la vallée. Chaque fois que je passe à côté, je ressens des tristesses et froideurs. Peut-être que nous pourrions la décorer et illuminer un peu. Et coucou, messire Thomas Fleck. Comment te portes-tu? Ça va bien, madame. Ici, on a terminé la carte. On a terminé Mafia 2. Et là, bah, je sais pas. Alors, je joue à Disney et je râle. Parce qu'il faut que j'arrive à trouver comment on fait les pâtes. Les pâtes au poisson. Et là, on disait blé plus beurre, éventuellement, pour décontenter ça. Pour faire des pâtes normales. Et B plus beurre plus poisson pour faire des pâtes au poisson. Et on va voir. Et comment qui va, le coffee? Quoi de beau, monsieur? Ta-da, twiddy, twiddy, da-da, twiddy, twiddy. J'ai vu que ta dame, effectivement, avait fait un live sur Disney. Sophie, je l'ai vu. En fait, à la fin, le méchant, c'est Disney. Bah non, on peut pas accuser Mickey d'être le méchant. Le méchant, c'est Mickey, pardon. Non, non, le méchant, c'est toi. Mais toi, jeune. Et donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que tu voyages dans le temps, que tu démontes ton toit jeune, tu lui fasses la fête, là, genre, pan, pan, et voilà, et puis retourner, tout ça. J'habite une maison citrouille. Il n'y a pas de fin sur ce jeu. Il n'y a pas de fin sur ce jeu.
Il n'y aura que des étapes après des étapes après des étapes après des étapes et après des étapes. Un truc qu'on peut jamais réussir à faire correctement, ça. Ah si, je crois que les pièces, c'est à peu près réglé correctement. Mais là, ça me donne plus rien. Bizarre. Oh, mais attends, je peux aller par ici, du coup. Pas un seul cercle par contre ici. Ah, des lunes. Et alors j'ai vu un peu, mais ça m'a l'air très pixelisé tout ça. Hein. Non ? Oh, ça m'a l'air plutôt dangereux ce que vous faites. Ces coffres juste pour ça. Ils ont pas pensé à fermer la zone ici? Ils ont pas dit que je pourrais faire le tour et tout? Par contre, je trouve ça extrêmement bizarre qu'il n'y ait absolument aucun truc à pêcher pendant ce coin-là. Ça me perturbe. Comme si on m'avait menti toute ma vie. Attends, mais il y a une entrée là ici. Il y a un truc à découvrir par là. Je suis sûr que c'est une entrée de quelque chose, ça. Bon, en fait, ça dépend vraiment parce que ça oblige à faire des choses particulières. Je crois. En fait, il n'y a pas de possibilité de rendre un truc transparent. Je crois dans les jeux vidéo. On pourrait voir un deuxième modèle 3D qui a des textures différentes. Je crois avoir vu, entendu parler un truc comme ça. Je sais plus. Je sais plus, je raconterai sûrement des bêtises. Et de quoi qu'il serait fait en mode rétro? Voilà, il y a de la couleur là. Alors c'est pas rien. Il y a du doré. Et qui dit duré dit peut-être pognon. Oui. Moi en double. Attraper du poisson sur les terres oubliées, voilà, paf. Et déjà 1200 de Dreamlight en plus. Je finis de débloquer tous les persos et tout. On tombe casser ça là. Oui, mais il y avait des morts vivants dans Graveyard Keeper. Et l'humour, il était noir, graveleux. Pas graveleux, noir. Voilà. On donnait quand même des gens à manger à leurs copains. Alors, Graveyard Keeper, bonjour, je vous sers des hamburgers. Eh, t'as pas vu Jean-Michel? Ça fait un moment qu'on l'a vu. Ah, mais. Non, mais il est pas loin, croyez-moi. Voilà, et c'était rigolo? Comment ça, mange de la mort? Moi, si tu as installé le stand dans cette partie de la vallée, ça t'évitera de faire des kilomètres et tu pourras faire plus de bonnes affaires sur davantage de produits. Allez, Sammy, je vais bien te passer. Incroyable, regarde tout ce qu'il y a acheté. Des patates!
Des citrouilles. Diamant. C'est la monnaie du jeu, les Dreamlight. Je rappelle que le jeu finira par passer par free-to-play. Il y a deux monnaies. Au moins deux. La Dreamlight et les pierres de lune. On va appeler ça comme ça. Non, bien sûr que non, il n'en a pas. Picsou n'arnaque pas. Picsou n'est pas un arnaqueur. Picsou n'aime pas tricher. Picsou, c'est un bon. Quand il fait les choses, il les fait dans les règles. Est-ce que c'est Picsou? Faut que j'améliore le... qu'on appelle ça. Faut chercher la petite sirène aussi. Ouais, pas de petite sirène intéressante là quand même. Non mais c'est pas là que je voulais creuser. Toujours pas ça que je voulais faire. Toujours pas ça. Désolé. Le Picsou, tu t'es perdu? Les Dreamlight. Pas des pierres de machin. Là, je peux pas passer. Là, je peux récupérer. Il y a de quoi se perdre dans cette zone, mais je pense que la sortie est par là-bas. Non. Ah, elle commence seulement pour Pipin, panne de réveil. Je me dis c'est bizarre. Elle est où? J'ai vu l'émoticône, je me suis dit mais normalement elle est censée être là ce matin. J'habite une maison citrouille. Allez, aujourd'hui on va pas se faire avoir. On va jouer assez. Mais on va faire attention de ne pas trop dépasser le temps pour quand même faire quelques Lego. Ok. Et voilà, on est trop fatigué, du coup on utilise la carte, déplacement rapide, hop là. Cette chanson me fait tellement penser au boulot à chaque fois, donc il faut chanter autre chose. Un poisson qui faisait les bulles. Non, un poisson au fond de l'étang. Qui faisait des bulles, qui faisait des bulles. Un poisson au fond de l'étang. Qui faisait des bulles pour passer le temps. C'est mieux? C'est une machine, ouais, qui sort de l'usine. Ouais, elle est tuyaux partout. Des trucs partout, les bouts. Donc ça veut dire que tu connais toutes les chansons d'Henri Dess par cœur? Moi je sais parler toutes les langues, moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Oh, oh, oh! Oh oui, toi je te récupère, toi aussi, toi aussi. À chaque fois, ils disparaissent trop vite, là. Vas-y, toi aussi, je te récupère. Toi, regarde! C'est des petits cons, les poissons.
Ils font miroiter des choses que tu peux pas avoir. Je chante faux. Je crois que je fatigue. You are my fire, the one desire. C'est faux ce que tu chantes, c'est terrible. Je décolle petit à petit en fait. Hein. Attends, Mick Mapoli, j'ai dit bonjour. Sorcière aussi, Scarab aussi. Arisakan aussi, Léon Magique aussi, Sicile, Molopoto, Dinozo, Thomas Fleck et Kofi. C'est bon, j'ai eu tout le monde. Qui chante? Qui c'est qui chante? Montrez-vous! Je dirais que c'est Rémi. Peut-être un lapin là-bas qui chantait. Je parle. Waouh, ça fatigue. Attends, y a pas encore un petit peu de holly là dans le coin? Cette note là, ça me fait penser aussi. Je crois qu'il va être 8h, avec un petit peu de chance. Ouais, il reste quasiment rien, on va pas tenir avec ça. C'est un peu mort. Oui, Rémi, il est là. Et coucou, Chimésis, comment vas-tu? What ball, donc? Mais t'étonnes pas. Donne-moi des poissons en plus, Diana. C'est pour ça que t'es avec moi, là. Aucune quête, c'est nul. Dans le sens où c'est ma faute en fait. Ce serait bien que je fasse des quêtes. Il y a des poissons plus chers par ici. Ça, je crois. Ça sent un peu fort la lootbox quand même. Hein. Ok, donc faut que je creuse là, là et là. Vous avez retenu? Pas moi. Que je creuse par ici. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit là? Peut-être qu'il faut que je pète des rochers.
C'est bien censé être par là, mais je vois rien. Y'a quelque chose, vous? Attendez, 30 secondes. De la bestiole que tu peux avoir que de minuit à 6h? Comment ça, y a une bestiole qu'on peut avoir que de minuit à 6h? Comment ça, y a une bestiole qu'on peut avoir que de minuit à 6h? Une bestiole. Pas du tout au courant de ça, moi. C'est pareil pour l'ail, il se sort qu'entre minuit et 6h du matin. Ah, une bestiole... Genre à ça, là, c'est l'écureuil. Je dors, oh, un petit coup de réveil par Helio et c'est bon. J'arrive pas à avoir le truc pour creuser. Pam 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 pam. Attends, ça se trouve, faut que je pose d'abord des questions, je suis pas censé creuser maintenant. Bonjour Dingo, je viens te vendre ma marchandise. Donc ça. Ça, pas grand chose, ça, voilà. Ça. Et bon l'heure du coup, camarade vide. Bon boudage. Du coup, qui a lancé là? Il y a Kofi. Kofi est arrivé. Il part sur quoi le Kofi? Mario 64. Et nouvelle ROM hack. Comment ça, creuser direct? Peut-être que si. Je sais pas. J'ai des doutes là, tu vois. J'ai envie d'émettre des doutes. Bon, il est 8h04. Il va falloir que je pense à arrêter, du coup, j'aurais pas beaucoup avancé. Contrairement à ce que je voulais, mais ça serait bien qu'on fasse du Lego quand même, au moment ou un autre. Et je me donne jusqu'à 8h15, 8h30, grand max. J'irai faire un tour aux toilettes. Et puis après, ça, on fera des Lego. Tu es l'élu du Supreme. Eh et merci pour le Prime, Malox, du coup. Merci beaucoup pour le cadeau et pour le soutien. Bon, je sais que c'est un peu la même chose, les deux, mais merci beaucoup. Désolé, j'ai pas pu faire contact avec la quiche. Et j'ai bloqué tous les biomes. Normalement, oui, plus ou moins. Je sais pas, en gros, là, tout ce que je vois actuellement est débloqué. C'est-à-dire que ça, c'est débloqué, ça, c'est débloqué, ça ici. Ah non, en fait, c'est faux ce que je te raconte, parce que tu vois, par exemple, là, je suis coincé. J'ai pas encore amélioré assez les objets pour pouvoir avancer de l'autre côté de ces trucs-là. Donc en gros, les différents biomes sont débloqués, mais dans les biomes, il y a des zones auxquelles je n'ai pas encore accès. Et là, j'ai plein de quêtes encore à faire, hein, faudrait que j'aille parler aux personnages, je continue la suite des aventures. C'est juste que j'aime bien le pognon. Et comme ça, c'est terrible. Mais en gros, j'essaie surtout de récolter des trucs à droite à gauche. Parce que j'aimerais bien finir de récupérer ça, là. Faut que je vende de l'ail et que je fasse une mission de Rémi et ça m'obsède. Donc à chaque fois, il faut que je trouve ce truc qui me dise oui, bah, vas-y, va chercher ça, et ça, et ça. Et comme ça, tu pourras acheter le dernier élément. Tu seras un homme heureux. Tu auras tout vu, tout fait, ce qui est faux, hein, mais bon. Donc c'est pour ça que tu me vois autant tourner en rond, parce que j'essaie de trouver des éléments à droite à gauche. Et si je vois que ça permet d'avancer vite fait sur une quête, je vais le faire, mais pas tout de suite, tu vois. Allez, un peu d'ail. Ouais, mais je veux pas. Je veux pas de l'astuce. Je veux y arriver réglo. Genre, je veux un bon arrosoir tueur de champignons. Oh.
Voilà, ça. J'ai un coup de barre terrible. C'est pas la faute à Disney, hein. C'est juste qu'il y a plus de caféine dans le sang. J'ai bu la mienne trop vite. Continue, dirais-je. Et de me demander mon avis avant, en fait, parce que... Il y a des gens qui auraient balancé dans la fond, ouais, tu peux aller de l'autre côté en faisant ça. Oui, mais je voulais pas savoir, moi. Je veux pas tricher. Je veux aller débloquer les autres affaires pour pouvoir y aller légalement. Genre faire mon visa et tout, et je veux pas débarquer dans la région sans avoir en ayant triché. Bon, imagine, tu te fais prendre. Alors, il y a Picsou qui se ramène et qui fait bonjour, nous avons appelé les autorités de Disney pour vous signaler que vous avez tenté d'accéder à une zone sans en avoir les objets. Et du coup, nous allons bloquer votre compte qui sera désormais banni, vous ne pourrez pas recommencer le compte jusqu'à vos 30 ans. Alors, tant que je les ai déjà eu, je peux recommencer tout un compte, mais si jamais ils me voient, après ils vont me bloquer jusqu'à mes 40. Ça fait encore quelques années à attendre. Ouais, j'ai un gros coup de barre, et comme j'ai un gros coup de barre, tous les trucs que je ressens sont x10, x100, chiant. Ouais, non, mais justement, il y a quelqu'un qui me parlait de guerre de mode. On me semble qu'il y avait des modes pour changer l'heure, pour ne plus être en manque d'énergie, etc. Et je trouve ça triste, en fait. Je me dis, là, c'est du farm sans les règles, quel est l'intérêt? Alors, je connais, après, quand t'as passé 100 000 heures sur le jeu et que t'as plus rien à faire et que tu t'emmerdes, ok, pourquoi pas. Regarde, j'ai bien fini par tricher pour sur Pokémon. J'ai envie que ça avance, doit faire les donjons. Au bout de 250 fois, le donjon, j'ai fait, ouais, c'est bon. C'est déjà long. Vas-y, je vais tricher. Ça fait très longtemps que je suis pas retourné sur Pokéclicker, d'ailleurs. Je sais pas, je m'en suis lassé. Peut-être parce que, justement, j'ai triché. Il y a déjà des modes, ouais, Chimesis. Qu'est-ce que je voulais faire? Les pattes, Titi, les pattes. Vas-y, viens. Vous avez tenté ceci. Oh non, je vais gâcher. Je pensais que des pâtes et des œufs, ça ferait des crackers, mais non. Ça ferait des crackers, ça ferait des pâtes. Je pensais que ça allait faire des pâtes, moi. J'ai obtenu des crackers. Je viens de gâcher des œufs qui coûtent cher pour faire des crackers. Et c'est le Mayu Megumi. Mayu, comment vas-tu? Bah, en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que. Encore, je suis même pas arrivé sur la fin, je croyais que je suis arrivé jusqu'au troisième monde. Et en fait, au troisième monde, moi, ce qui m'a cavé, c'est les donjons. Je crois que les deux premiers mondes, j'ai tous les shiny, j'ai tous les trucs et tout, et puis... En fait, sur la fin du premier monde, j'en avais déjà marre de faire les donjons. Ça prenait un temps fou. Plutôt les seuls, j'ai vu que tu avançais terriblement sur la complétion des trucs. Juste impressionnant. Bandingo, tu peux venir m'acheter mon ice, s'il te plaît? Salut, mon ami. Oh. Wow. Je suis Jim Carrey. Et le souterrain, je me rappelle même pas. Et pour rien spoiler, je te coupe toujours le bout gauche. Le bout gauche. Le bout gauche. Ça. Attention. Gentil. Des bisous, Kofi, amuse-toi bien. La force est avec toi sur les ROM Hack Mario. Ouais, j'améliore à fond ce truc-là, comme ça au moins à chaque fois on récupère les trucs. J'ai dit qu'on faisait des Lego après. Hein.
Moi, j'y crois très fort, on fera des Legos après. Par contre, et je te jure, je commence à sentir du frais, mais tu t'imagines même pas à quel point je suis content. Genre, j'ai eu un instant bonheur tout à l'heure, pour faire simple. J'étais là, j'étais tranquille, j'allais réveiller chérie, et là, paf! Attends, ça coûte cher ce truc-là. Il fait froid le matin. C'est Animal Crossing mais Disney. Wow. Mais c'est vraiment le même principe à peu de choses près qu'un Animal Crossing. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de terraforming, il n'y aura pas de choses comme ça. Enfin, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas vu dans le jeu de terraforming. Sauf que tu collectionnes les personnages Disney au lieu de... Voilà. Ta ville n'est pas, comment dire, limitée à 5 d'habitants. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aura 200 habitants par la suite dans le jeu. Hein. Pour l'instant, c'est un jeu d'accès anticipé. Il y a 17 personnages existants dans le jeu. Tirés de Disney. Des classiques Disney. Et de Pixar. Je crois. Les coffres sont pas assez grands. Faut que j'aille chercher les autres persos là. Et du coup, tout à l'heure quand je suis réveillé madame, je me suis glissé dans le lit parce que il faisait froid et le lit était chaud. Et du coup, oh là là, mais ce plaisir, tu sais, de pouvoir retrouver l'impression que si tu sors du lit, t'as froid. Oh, c'est tellement bon ça. Tu sais, ce moment où le lit ne colle plus et qu'il fait pas chaud et que tu vis à nouveau. Et là, j'étais content parce qu'aujourd'hui, j'ai presque pu faire tout le stream sans le... Voilà, il fait 26,9, quoi. Non. Non. Ça me dit qu'il fait 9,7 dehors. À l'heure actuelle, 9,7 degrés. Le 21, c'est bien, là. Maintenant, ce qu'il faudrait éviter, c'est que justement, on passe de 30 à 8 degrés. Tu vois, ça serait bien. On évite de passer d'un extrême à un autre. Mais là, je suis content, là. Tu vois, ça a envie de faire plein de trucs, ces températures. Tu sais, quand il fait pas chaud, que t'es bien. Tu sais, quand t'es bien en t-shirt. C'est la belle vie. La vie, la vraie. Celle où t'as pas envie de mettre un pull. Celle où si tu bouges un peu, t'es pas tout dégoulinant, tout transpirant. Genre tu vas avoir chaud, mais tu vas être bien. Genre c'est le moment de reprendre la marche, de réécouter les trucs et tout. De refaire un peu d'exercice. Genre des pompes. Est-ce pas les mystiques ? Pardon. Oh, je suis un connard, pardon. C'est nul ! Bouh ! Tu vois, j'ai dit maximum 8h30, on arrête, on part sur le Lego. J'y crois. Très fort. Vu que j'aurais bien aimé rester au moins une heure sur le jeu, c'est pour ça que je dis 8h30. Là, je vois qu'il est 8h15 et qu'on en est encore à 59 minutes 40. Et j'ai l'impression que si je fais pas comme ça, en fait, je rate une partie du jeu. Là, il me faudrait 40 000. Je suis à 20 000. Ce serait bien que je finisse d'augmenter le truc de pêche de Vaiana. Comme ça, elle ramasse un toc de poissons différents, ça me fait tout le truc intéressant à revendre. Il y a beaucoup de choses dont ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Là, je te revends quand même la neige. Faudrait un bouton trier dans l'inventaire. Vraiment.
J'ai dit bonjour à Aski, je suis pas sûr. Moi, des poissons qui valent de l'argent. Je veux des poissons qui valent de l'argent. Je les veux maintenant, tout de suite. Et salut Vidolas. Mais coucou. Là, tu m'as pas oublié. C'est gentil, ça. Comment que ça va, du coup? Après toutes ces années... Et bienvenue, à nouveau. Faudrait que je pense à changer quand même de perso quand on pêche au moment, juste pour éviter d'écouter en boucle la musique de cette dame-là. De Vriana, ou de Maui. Pose des questions... pose des questions à Kistou. Pose des questions à Picsou au sujet des vers des ténèbres. Picsou ? Excellent. 5 minutes à m'accorder. Oui. Alors. Alors, tu as trouvé quelque chose? Ça te dit quelque chose, vers des ténèbres? Oh, cela doit faire référence à ces lunettes spéciales que j'ai gardées dans l'oubli quand l'oubli est arrivé. Elles étaient dans le coffre que tu m'as aidé à ouvrir. Alors, seuls ceux qui peuvent manier le pouvoir de la Dreamlight peuvent les utiliser. Et tu es la seule personne ici à pouvoir le faire. Prends-les, elles sont à toi. Look. La carte. Oh, je sais que tu peux dans la carte. Ce qu'il faut, c'est qu'on trouve le trésor. Et n'oublie pas la région X désigne l'endroit où il se trouve. Ensuite, on va chercher le trésor. Tu es la seule personne à pouvoir le faire. Et n'oublie pas les lunettes magiques. C'est comme cela qu'il se révélera à toi. Je te remercie. Fait. Je sais pas quoi te répondre, mais merci. Et du coup, il est venu à quoi Minecraft? Parce qu'à Skyrim, au bout d'un moment, les gens s'arrêtent, normalement. Au bout d'un moment. Minecraft. Il y a des gens comme ML2G qui sont toujours dessus. Qui ne s'arrêtent plus. Qui ne peuvent plus s'arrêter. Ils sont désormais coincés. Je suis même pas à la moitié de like, il faut que je récupère. 8h19, on fait attention. Bonjour, vous auriez de l'ail, s'il vous plaît? On en a besoin ici. D'ailleurs, attends, faut que je mette les lunettes. Lunettes, c'est là-dedans. Garde-robe. Lunettes classe, c'est parti. D'accord que j'ai... Oh, il y a de l'ail. D'accord que là, des morceaux de clé, un coffre. Non mais là. Morceau de clé. Nous avons trouvé la première partie. La quête est désormais lancée. Si. Mais c'est que t'es trop doué, toi. Ça irait beaucoup plus vite. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai oublié entre-temps. Tu crois? Pas de baffe, désolé. Je suis désolé si je t'ai réveillé. Pas très cool. C'est assez perturbant, même. Je pense. On va même dire un truc qui tente d'imiter Picsou. Hop là, un crabe sauvage. Il est à moi. Rien qu'à moi. Alors normalement ici, voilà, juste là, hop là.
Donc j'ai le coffre. Si je ne me trompe pas, le truc que l'on cherche est par là. Là-bas, là. Je dirais quelque part par ici, genre là. Non. Lui ? Alors, c'est qui le patron ? Retourne voir Pixel, ce que tu as trouvé. Pardon. Pixou. J'ai quelque chose pour... Truc doré. Pareil que j'ai pas assez d'énergie là. Tu es une quiche. Harry. J'avais pas vu ta réponse, Benolas, du coup. Non, c'est pas l'addiction, ça. Merci pour le follow, enfin pour le re-follow, du coup. Et par conséquent, installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Même si, du coup, tu es un peu un habitué quand même maintenant. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Alors. Pixou. On a un trésor pour toi. Je te vois. Ah, tu as trouvé, Iti. Pour te dire la vérité, je ne pensais pas que ces lunettes allaient fonctionner, mais ça valait le coup d'essayer. Et maintenant, il reste encore une chose à faire. Il faut que tu répares la clé. Et pour qu'on puisse ouvrir le coffre avec un peu d'or, tu devrais pouvoir les souder ensemble. Oui, je suppose qu'il te faut aller trouver l'or. Je te parlerai quand la clé sera réparée. Au revoir. Au revoir. Nous allons par là. Et par là. Rassemble des lingots d'or. 2. Veuillez créer une clé, s'il vous plaît. Apporte la clé et le coffre à Picsou. C'est eux qui doivent l'ouvrir. Pixou. Ah. Wally. Ah. Hey, j'ai une mission pour toi. Bonjour. Oh. On a réussi, ensemble. Je savais que tu étais le partenaire parfait pour ce travail. Avec ce trésor, je peux acheter plus de stock ou développer mes affaires. Oh, c'est vrai, je t'ai promis une part de trésor. 2000 et c'est tout. Et voilà, un petit cadeau de remerciement pour garder ta part du trésor en sécurité. Le coffre de niveau 10. Si tu trouves d'autres trésors, fais immédiatement un appel à ton partenaire de chasse au trésor. Deuxième partie terminée. Non mais ça veut dire qu'on a terminé Picsou. Il reste les missions, il faut placer les objets, mais... Ah oui, mais du coup je suis vraiment arrivé au bout. Ça se réduit cette liste du coup de gens à qui j'ai des quêtes à faire. Bon ça va, il nous reste encore 4 personnages à trouver, c'est à dire qu'on est encore large au niveau des quêtes. On a encore de quoi tenir pendant un long moment. Bon, et il est 26, et si j'arrêtais là pour aller faire des Lego. Et après faut les installer les Lego, hein, ça va être long. J'arrive pas à reconnaître l'air. Ça me dit rien en fait, sa musique. C'est dans quoi? C'est rare que je me sente nul au niveau des chansons de Disney. Et coucou Dalphia, un joyeux non-anniversaire, ma chère. T'entends? Badabadabadam.
Non. Pour les Legos, c'est peut-être trop tard, mais pour faire du dessin... Ah non, mais Gilou Magnon, on a déjà fait du dessin, là, cette nuit. On a terminé la carte de Dirty Barbouze. Donc, à partir de là, on a déjà travaillé. J'ai travaillé à peu près 2h20 aujourd'hui, en dessin. Ça veut dire qu'on a travaillé 32 heures depuis le début du mois sur du dessin, en tout. J'ai été endormi. Ouais, mais quelle idée, aussi. Hein? Parfois. Bon allez, on y va. On coupe la rediffusion, on va faire des Legos. Il est 8h28. On va aller faire des Lego. Du coup, on va couper cette rediffusion. J'espère que celle-ci vous a plu, même si elle est courte, du coup, par rapport aux précédentes où on passait 12 heures sur le jeu. On était un peu moins raisonnable. Vous avez vu ça prendre petit à petit. Je tente de sanser les sauces de manière à être plus facilement efficace, raisonnabilité, tout ça. J'y arrive. Bref, du coup... On va couper la rediffusion ici, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, prenez un positif, prenez soin de vous, je sais plus où j'en suis, je m'en fous, on y va. A tout de suite. C'est parti. Pam 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 p